Les Paquettes de l'ancienne Lorraine. Coachés par Jean-François Brault, ils sont 16. La famille Paquette. Bienvenue à Un air de famille. Alors, Mia, on a de la chance de grandir au sein d'une famille si unie. Voici les Paquettes de l'ancienne Lorette. Alors, de la grande famille Paquette, une famille de chanteurs et chanteuses, des passionnés de musique, nous serons 16 membres présents pour un air de famille. Laurie, Audrey, Andréane, Mario, Marie-Ève, Alexandra, Lynn, Mélodie, Pierre, Jean-Simon, Stéphanie, Guy, Annick, Marc, Mia. Ça fait des réunions de famille très animées, là. La famille Paquette, ce qui peut nous donner autant d'énergie pour autant de plaisir de vivre, je pense bien que ça vient des parents. Mon père était amateur de musique beaucoup, accordéoniste à ses heures. Le premier loisir, je pense, qu'on a tous fait, c'est d'aller à la chorale, d'apprendre la musique, de chanter. J'ai toujours entendu chanter ma mère, sa sœur, mes tantes. Donc, on a grandi dans la musique. J'ai choisi de composer une chanson il y a quelques années pour le 75e anniversaire de naissance de ma grand-mère, pour la remercier pour tout ce qu'elle est pour nous, tout ce qu'elle fait pour nous. Alors, pour amour pour elle, j'ai écrit « Dans ton regard » qui est interprété là, par toute notre famille. Et dans tes bras, il y a la chaleur et la joie, ce réconfort qu'on vient chercher. Dans ton regard, je vois la bonté, la patience. Et le fait que nos enfants veulent nous rendre hommage, se présenter à un air de famille, on est très heureux de ça. Je suis très fier de notre famille. Très, très fier de notre famille. Non, mais. Ça a l'air d'une famille parfaite, mais vraiment parfaite. Je me demande de quel côté ça vient, la perfection. C'est de votre côté ou c'est du côté de votre mari? On ne sait pas. Ça vient tout seul. Faut pas y penser. Non. Et c'est assez particulier parce que, bon, tout le monde travaille, toute la famille travaille au magasin. Puis aujourd'hui, le magasin est fermé. Et si on appelle au magasin, qu'est-ce qu'on va entendre? Un message disant que si les gens veulent nous voir, ils auront juste à regarder Un air de famille, jeudi le 10 octobre à 20h. Quand même! Merci, vous allez voir. Je ne suis pas déçu. On regarde comment ils ont travaillé. Rebienvenue dans l'aventure. Vous êtes aussi beau que dans mon souvenir. Je veux vous entendre chanter direct en partant comme ça, puis après ça, on jase. Les Paquettes, c'est une belle boule d'énergie. Quand tu as 16 personnes en avant de toi, il y a des forces. Il y en a qui sont plus réservées, mais pas là. Je sens que c'est bien égal. Tout le monde laisse la place à tout le monde. J'ai rien, j'ai quasiment rien à dire, tabarouette. Notre famille, ce qu'on s'attend, je pense, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce à quoi on est habitué. Sortir de notre zone de confort durant les pratiques pour après ça donner une performance nouvelle. Le danger dans un groupe aussi grand, c'est de sonner comme une chorale. L'articulation est très importante. Allons-y, juste pas de mélodie. Toi, quatre, n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. C'est ça. L'autre affaire, ça se passe beaucoup dans les yeux aussi, puis dans l'interaction que vous avez ensemble, c'est dynamique comme performance. Ce que je... Il a écouté chacune des voix, donc il est allé travailler plus précisément là, avec certains membres de la famille. Pas compliqué, là, c'est... Soyez ça, puis ça va marcher au bout. Ça fait tout un saut. Yeah! Le plaisir de chanter est contagieux. Je vous mets au défi de ne pas chanter avec eux leur chanson préférée aux Champs-Élysées. Voici la famille Paquette de l'ancienne Lorette. Tout un son. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu.
qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Hier soir, deux inconnus. Et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hey, vous êtes tellement beau, là. Ça n'a pas de sens. On veut tous faire partie de la famille. C'est fantastique. Et Mia, bravo. Merci. Écoute, Mia, je t'ai regardé durant toute la chanson. Tu as chanté toute la chanson au complet. As-tu aimé ça? Est-ce que tu aimerais qu'on recommence tout de suite? Oh, regarde sa mère! C'est parce qu'avant de rentrer, elle m'a dit « Je veux aller voir Mamie Yolande », mais j'ai dit tout de suite après la chanson. Ah, je comprends, oui. Écoutez, c'était une joie de vous regarder et de vous connaître. Merci. Merci. Jean-François. Bravo, les paquettes. Vous avez été irréprochables au niveau de la justesse puis au niveau de l'articulation. Tu sais, quand on est 16 à chanter comme ça... Je vous disais que c'est difficile, l'articulation. On perd facilement le focus. Vous l'avez gardé du début à la fin de la chanson. Je vous félicite pour ça. Et pour votre complicité, bravo aussi. Parce qu'une complicité comme celle-là, dans un numéro comme celui-là, ça se joue pas, ça se vit. Vraiment, les paquettes, félicitations. Et merci de vous être inscrit à Un air de famille. Merci. Et Mia... Mia, moi, je connais de ma tante Marie-Ève Janvier qui serait contente de te garder une fois de temps en temps. Bravo! Merci. Merci. La main à Bobby. Elle se demande, c'est qui ma tante Marie-Ève Janvier? Joanne! Bien, moi, je peux seulement vous dire que c'était juste, c'était en place, bel arrangement, une belle... ça respirait le bonheur, voilà. Bruno. Je dirais rafraîchissant. Vous nous avez raconté une histoire. On vous a suivi du début à la fin. Bravo. C'était du bonheur de vous voir. Bravo. Merci. Bonheur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est maintenant rendu au moment tant attendu de la soirée où les familles et les coachs ont le plaisir de chanter tous ensemble. Ils interprètent pour vous « Sauvez mon âme » de Luc de la Rochelière. Sauvez mon âme. Sauvez mon âme, hey, hey! Hallelujah! On se réunit plusieurs.
plusieurs fois par semaine. Oh, oh, oh. On se vide la tête, question de faire la fête. Ouais. On lève les bras ou on se les met en croix. Ah, ah, ah. On reste ensemble car rien ne nous ressemble. Sauvez mon âme. C'est son discours, comme toujours, nous parlera de Dieu et son amour. Au discours, nous dira que la vie n'est pas sur terre. Quel enfer! On se prive ou bien on est damné. Hey, hey! On passe nos vies dans la belle maison du Seigneur. Il nous dans la cadillac de Dieu. Oui, mon Dieu. C'est pour lui qu'il a laissé son travail. Il a besoin d'argent pour. Pour un air qui nous rassemble, un air de famille.